Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Tale of Vesperia. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme toujours. On essaye d'éviter les mobs aussi, comme toujours, dans ce labyrinthe. Alors, il faut que je reparte par là-bas sans me faire choper par un mob. Laissez-moi tranquille. Non, non, non. Ouh, c'était juste. Du coup, finalement, on peut retourner à notre chemin de la dernière fois parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire de plus de ce côté-là. Donc voilà, ça fait une espèce de bruit comme si quelque chose se cassait. Non. Non. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on va pouvoir explorer un peu plus en fait. On va voir ça en tout cas. Hop. Alors en tout cas, de ce que je vois, c'est l'épisode 37, celui-ci il me semble. Je pense que ce sera un de mes plus longs let's play pour l'instant. Ça va faire un an, un peu plus d'un an maintenant que j'ai cette chaîne YouTube. Et ouais, je pense qu'on n'a jamais fait autant d'épisodes sur un jeu, à ma connaissance, de mes souvenirs. C'était pas encore arrivé. Bon, déjà en partant par là, est-ce que je peux aller plus loin que de l'autre côté? De l'autre côté, on était vite coincé. Et j'ai l'impression qu'ici, on peut y aller en fait. Donc juste derrière cette porte, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça m'arrange pas. Lâche-moi. Les talons. Oh non, je sens que je vais me faire choper par le mob. Moi non. Je suis pas trop emballée. Ouais. C'est déjà mieux ici, je trouve. On va mettre ici. Ouais, c'était prévisible, ça. Malheureusement. Allez! Oh, ils sont chiants en plus! Ok, si tu veux. Allez. Oh non, les mobs chiants, ceux-là, ils vont être bien aussi. Raison de plus pour les éviter, hein. C'est chiant. Allez, bute-le. Allez, fais ça, t'en supplie. Allez. Tant qu'à faire, on spamme ça, ça sera beaucoup mieux. Oui, je suis étourdi, c'est bien. Allez. Allez. Oh, c'est relou. Je vais pas beaucoup les aimer, ceux-là. Ouais, je sais que t'es derrière moi, toi. Oh non, mais ça m'embête, ça. Non, j'ai juste l'orbe. Ah, bah voilà. Ah oui, ça c'est vrai, c'est pour faire... Ah non! C'est pour faire de l'overboard! Allez! Allez! Je pense que ça rapporte beaucoup d'XP, ça. Oh mais il est chiant. Voilà. Et du coup j'ai même pas regardé ce que ça rapportait comme XP, hein. Bon, en tout cas je peux pas aller là-bas, donc on n'a pas beaucoup de choix. J'aime mieux ça parce que du coup je suis sûre de pas trop me perdre. Et je peux continuer ici l'esprit tranquille.
Hop, on fait attention de pas, voilà, se faire avoir par les ennemis. Bon, de toute manière, ça va encore m'arriver, c'est sûr. Ce serait trop beau. Là, y a rien. Je vais passer là quand même. Hein. Ça va être chiant. Peut-être pas, je suis peut-être mauvaise langue, attention. Ça c'est fort possible. Le plus chiant ça va être d'éviter les ennemis en fait. Je suis pas là. Surtout toi, parce que toi, t'es très chiant à battre. Je sais même plus où je suis, là. Ça m'a perturbé. Pourquoi je suis revenue, là? La fille qui se paume toute seule. Bon. Faut dire qu'on tourne tellement en rond, là-dedans, que... Alors ensuite... Non, je suis pas là. On dirait qu'ils m'attendent vraiment, en fait. Non, d'abord tout droit, en fait, parce que tout à l'heure, on était coincé de l'autre côté, justement. Tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'était tout à l'heure, en fait. Pour vous, c'est l'épisode d'avant. C'est l'habitude. Et oui, c'est le moment où je tourne plusieurs épisodes à la suite. Ah, mais il est là, le deuxième truc. Ouais, toi, t'es juste devant les orbes, t'es pas chiant du tout. On était coincé par ça de l'autre côté. Je m'en doutais! Mais je m'en doutais! Bon, ils sont moins chiants à tuer que les chauves-souris. Mais bon. Il m'a arrêté d'utiliser ça comme ça. Ça servait à rien là. Du coup, j'ai pas. Non, j'ai rien raté, c'est bon. Donc, toi. Je vais quand même aller ici. Hop. Ah, mais c'est encore une autre porte, ça, ou... Oh là là, bah heureusement que je suis allée là-bas au bout d'abord, en fait. Ils aiment bien nous faire marcher dans ce jeu. Il n'y a pas un trophée, genre vous avez parcouru autant de kilomètres? Je sais plus si c'est dans le jeu là que je l'ai vu en plus, ça. Je crois pas. Je sais plus. Et puis où est-ce que je vais le voir? Là-dedans? Ouais, si. C'est peut-être dans ce jeu là. Ouais, distance parcourue sur la carte. J'avais vu ça une fois. J'étais plus sûre que ce soit dans ce jeu là, mais. Du coup. Bon là ça va, pas trop compliqué de choisir un chemin. On va surtout qu'on soit arrêté sur la route. J'allais dire genre ils nous ont pas vus, mais finalement on y court donc. Ouais. Non. Tant qu'à faire. Mais comment ça m'attaque pas derrière? Bouh. Ah ouais, je me suis fait enchaîner là, ils se sont vengés sur ma tronche.
se sont tous défoulés sur moi sans déconner. ma vie est si pauvre. Et en plus je suis brûlée. Ça va pas le faire. Moi je vais me soigner quand même en fait. En même temps, depuis le temps que je vous dis que je dois farm, j'ai pas eu du tout l'occasion de farm. Non mais à chaque fois j'ai un truc. Y'en a pas d'autres? Non, y'en a pas d'autres. Oh, c'est dommage. Ah merde, il est mort aussi lui. Non, on a besoin de lui quand même. Arrête de me courir après. Et c'est vrai que depuis le temps, je peux pas farm parce qu'à chaque fois que j'arrête de tourner, je me retrouve à la prison. Donc, du coup, je peux pas vraiment farm. C'est embêtant. Non, ça. Et en plus, je me suis trompée. Ressuscite-moi. Pourquoi tu vas attaquer celui là? Bon, un moins. Je suis quand même morte très souvent. Allez, meurs. Meurs. Allez. Bon, c'est vraiment parce qu'ils se sont déchaînés sur moi tout à l'heure en fait, sinon ça va. Arrêtez de venir sur moi là, laissez-moi tranquille. Mais dire pourquoi ils viennent tous sur moi? Ils sont morts les atouts, mais non, même pas. Bon. C'est bien, pendant ce temps-là, je spam. Allez. Hey, c'est qu'ils sont costauds ceux-là quand même, hein. Oh non, mais je rêve quoi. On m'a volé mon kill, mais un truc de ouf. Voilà. On a eu que 2 level up. C'est tout? Pas de petite scène après qu'on ait buté les exorcistes? Moi je suis assez déçu pour le coup. Encore une porte comme ça, mais tu veux que je les trouve où tes bazars là? Bon, anneau de force, qu'est-ce que c'est? Il est où? Ouais bon. Je verrai ça plus tard. Ah, ils sont dans des coins comme ça. Du coup, j'ai dû passer bêtement à côté de l'autre sans l'avoir vu. Oui, voilà. Mais il y a du brouillard en même temps. Mais non! Non, allez, plus vite. Je me casse, je suis toujours au milieu des attaques. Allez. Oh non, je l'avais presque tué, pas drôle. Ouais, surtout ce truc là parce qu'il est très chiant à buter. Voilà. Bon, maintenant.
Maintenant, je peux y aller. Ouais, des orbes. On en a si peu. Prochain coffre, il va être à 400 à cette allure-là, en plus. J'en ai à la fois 320. Ouais. Ah ouais, si les trucs allumés sont planqués derrière les poteaux, c'est drôle. Ça a l'air vraiment plus quoi faire dans ce jeu. Alors c'est con, hein, ça me rappelle un truc complètement hors sujet. Vous savez, quand il faut fouiller toutes les poubelles dans Pokémon, dans l'arène de Major Bob, pour les plus vieux d'entre vous, hein, parce que... Ça me fait penser un peu à ça. Avec tous les poteaux alignés, comme ça. Ah, il est là. Fourbe. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, c'est peut-être très con, hein, mais... Je vais save parce que ça fait longtemps que j'ai pas save quand même. Je sais pas, il y a des moments où ça me fait penser à des choses assez hors sujet parce qu'on passe quand même de Tell-Off à Pokémon quoi. Puis en plus aux premières versions. Oh, un coffre. Ah, c'est bien. Ça compense celle que j'ai dû utiliser. Du coup. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, des orbes. Ça fait du bien, on se restaure quand même un petit peu. Hein. On est presque à 200. C'est bizarre, c'est trop vaste et ça a l'air trop simple en fait. Il y a quoi là-bas pour que je puisse y aller? Ouais. Ah, c'est l'autre côté de la porte de tout à l'heure où je pouvais pas passer. Parce qu'une force étrange bloquait le chemin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, on s'en fout. J'ai ramassé les orbes, c'est tout ce qui compte. Du coup, on retourne ici. On allume ça, on allume ça. Bon. Kekai, Kuma desu. Tu pourrais le crier encore plus fort? Sandome no shoujiki da na. メディ様ね。ええ、そうよ。あなたたちは？あんたと同じく聖霊を同志アルトリウスを恨むものよ。安心してください。私たちはあなたを助けに来たんです。助かりませんよ。え？諦めないでください。私は。いいえ、助からないのは あなたたちです。同志アルトリウス様の理想を。あ、聖霊の断りを汚す者たちは私が殺します。Super. Elle a l'air contente qu'on soit venu la sauver.こいつは聖霊の手下よ。やっぱり恨めちゃったの。C'est vrai qu'il avait dit la dernière fois qu'il voulait pas nous porter la poisse. こいつは狙われまい。キリがないよ。あのヘビ女が召喚してやがる。本体を叩かねば、拉致があかんぞ。 Mais ouais, mais si on la tue, il y aura un autre terrien. Ah, ça part. Si on peut la buter finalement.
なぜです、メリサ。あなたは清涼に無理やりクーマにされたのではないのですか。あれ、スチリなんでしょ。違うわ。私は自らの意志でクーマになったのよ。でも、あなたの娘さんはコーマになってタイマシに。それで、清涼を恨んでいるんじゃ。ええ、恨んでいるわ。人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。あなた、汚れのことを。タイマシ様が教えてくれたわ。ディアナがゴーマになったのはあの子が汚れを発したせいだって。だったら私は汚れを食らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇が起きないように。どんな醜い姿になろうが構わない。カノヌシ様を復活させこの悲惨な世界を変えるのよ。クラース。ああそう、なら強引にさらうまでよ。あれは一応あびて。あの子の死に報いるために。この人はブレイクブスト。関係ない、全部蹴散らす。しまった、しまった、クリッパー容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ、リーソルフェイン。クリッパー、あれこのテレポリスプール。そこよ、とどめ、ブレイクブースト。そこよ、そこだ、食らいつくぜ。とどめ、ブレイクブースト。せっ、せっ、しまった。せっ、せっ、せっ、しまった。ボイドラ君、せっ、こいつはどうだ、逃がすかよ。せっ、しまった。火星、火災しろ。せっ、せっ、せっ、せっ、せっ、せっ、せっ。Allez, mais allez, allez.しまった、重ねかけろ。アクセルの遅くなるときってアクセとどめ、ブレイクブースト。いくぜ、こいつはどうだ。セイク、いいボスで見てくれぞ。セイク、重ねかけろ。セイク、重ねかけろ。ボイドラ、逃がすかよ。セイク、左だけだ。セイク、いかがだ。セイク、ça va、ça devrait aller vite quand même au final。セイク、重ねかけろ。セイク、信念を与えば悔い改めろ。Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais c'était violent. J'ai rien vu venir, sans déconner. Pourquoi tu l'as utilisé sur un petit serpent ridicule ? Non, 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 mais dégage-toi de là. Jusqu'à maintenant, ça me faisait pas grand chose en fait.Puis d'un coup, je sais pas, ma bonne chose, je sais pas, je sais pas. Ouais, allez. Allez, on y est presque. Ça va le faire. Je suis décédé encore. Non mais sans déconner. Mais comment? Comment c'est possible? Bon. C'est pratique que tu aies de résurrection quand même, hein. Koko made yo. Saika no Kenshu me. Saika no Kenshu. Saiyaku no jidai o motarasu maou no na yo. Yokubou no mama ni yo o midashi.混乱と最悪をまき散らして帰り見ない汚れの塊。
始末に追えぬ人の業を体現したお前のような悪のことだ。ゴーマ、クーマ、サイカの剣手、好きに呼んでくれるわね。でも私が魔王だって言うなら、あんたは魔王に利用される、それだけよ。させない。あの子は私のせいで、だから私は死ぬまで戦わなきゃいけないのよ。やめて、邪魔をするな。嫌だ、もうお母さんが死ぬのなんて見たくない。え、mais la fille en soi。モアナもエレノアもお母さんが死んじゃった。それってすごく悲しいことなんだ。モアナ、清涼に無理やりクーマにされた少女です。娘を助けようとしたモアナの母親は、お腹を空かせたあの子に自分を差し出して。モアナはずっと泣いてるんだ、お母さんに会いたいって。だからお母さんが死んだら、ティアナだってきっと悲しむよ。ティアナ、お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ。違う、私はあなたのために。でもあなたは自分が邪魔者だと悩んで、汚れ傲慢になってしまった。私のせいで、ごめんね、ごめんなさい。メディさん大丈夫、気絶しただけだ。このまま連れて帰るわよ。念のため、あと日をかけておく。どうやら清涼はメディサの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。そんな、残酷すぎます。じゃが理にはかなっておる。そうですね、断りに反しているのは私の方です。ここからメディサを連れ出せば、ヘラビーサがどうなるかわからない。なのに私は自分のこだわりのためにそれをしようとしている。メディサ本人の決意まで打ち砕いて。断りで言うなら、汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から、それが断りに反する私のせめてもの義務です。本当に面倒ね、あんたもこの女も。ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部サイカの剣手のせいにでもしとけばいいのよ。ベルベット、別に気を使ったわけじゃない。私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。Pas vraiment le choix, de toute façon, j'ai envie de dire. Ouh! Y'a que Magilou qui a pas levé l'app, évidemment. Toujours la même qui fait chier. Non! Fallait bien que je devienne mauvaise langue un petit peu. Et donc, j'ai toujours pas eu. Non, toujours pas. Je vais rester 50 ans à cet endroit. On a combien de temps d'épisode? Eh ben, on va se quitter ici pour cet épisode, les amis. Et oui, retourner en... Oh non. Voilà, alors on va se quitter ici pour cet épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.